Bienvenue sur la chaîne Didatech. Nous allons vous présenter aujourd'hui un banc d'étude de la combustion. Le premier banc est équipé d'un brûleur fonctionnant au gaz naturel. Sur ce banc, nous pouvons brancher un analyseur de combustion qui permet de mesurer les paramètres d'oxygène et de dioxyde de carbone sur la sortie des fumées. Nous voyons ici l'allumage de la flamme. La flamme est bleue car il s'agit d'un brûleur fonctionnant au gaz naturel. À l'intérieur du brûleur, nous voyons la sonde d'ionisation qui est en train de rougir et qui permet de détecter la flamme. La flamme est visible par côté, comme ici. Ou par l'arrière. On peut donc apprécier les différentes formes géométriques de la flamme à l'intérieur de la chambre de combustion. Le second modèle est équipé d'un brûleur fonctionnant au fioul. Il est accompagné d'un petit réservoir de 30 litres qui permet de le rendre autonome et de mesurer le débit de carburant. Il est également possible de brancher l'analyseur de combustion sur ce modèle. Nous voyons ici l'allumage de la flamme. La différence avec le système au gaz est que la flamme est jaune, liée au type de combustible. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce produit, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur l'adresse qui est donnée dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour voir toutes les vidéos de nos machines.